Bon Dieu bénis nous, zami mio na YouTube, zami mio na Facebook. C'est servante nous, Béatrice Prioli, qui monte sous Chanel là. Jeudi, mardi 30 novembre, pour nous capables d'entrer dans l'étude. Nous connaissons chaque mardi, nous toujours faisons étude. Et avant de commencer l'étude, nous faisons un coup de prière. Père éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, mon papa nous qui est en ciel là, nous disons merci pour grâce, merci pour fidélité, merci pour grandeur, merci pour ce fait, pour ce continuer faire pour nous dans la vie. Nous. Malgré nous pas bons, nous impurs, mais l'éternel fait des grandes choses pour nous-mêmes. Dans le moment ça, Seigneur Dieu, nous mettons peuple haïtien devant, pays d'Haïti devant, Seigneur Dieu. Oh, la côté a souffri. Oh, il y a passé une crise, ça l'est vraiment dur pour peuple haïtien, Seigneur. Oh, dans le moment ça, nous mettons devant, Seigneur Dieu. Nous connaissons, Seigneur Dieu, au Dieu Haïti pour Christ pour Haïti. Ou a dit un mot pour nous, ou a délivré peuple haïtien, Seigneur. Oh, nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui va le faire étude là, Seigneur Dieu. Pas quitter nous faire selon de nous-mêmes, mais tout ça qui va dire, il va sortir de nous-mêmes. Et si là, il y a un capitan de nous, il va jouer une bénédiction pour nous. C'est dans nos Seigneurs à nous prier. Nous ne prions pas nous, pas nous, qui règne au siècle des siècles. Et nous connaissons semaine passée, et nous connaissons mardi passé, nous t'ai parlé des évêques. Nous te joignons, un évêque doit être une personne irréprochable. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un évêque doit vivre une vie de famille exemplaire. D'après 1 Timothée 3, versets 2, 4 et 5. Et les nous noter dans 2 Timothée 3, verset 2. Paul dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. Ensuite, lisez les versets 4 et 5. Nous avons dans ces versets quelques qualifications de l'évêque qui ont rapport à sa vie de famille. Nous voyons l'apôtre Paul parler dans 2 Timothée 3, verset 2. Il fait nous connaître. Yon moun qui est évêque, li doué. Moun sa doué gen yon seul madame, li pa gen doua gen plusieurs madame. Et puis non seulement gen plusieurs madame, et puis temps en temps, et puis autant de non évêque là à gauche à droite. Ça veut dire nous te wè semaine passée un évêque li doué irréprochable, mais jodi a n'ap wè yon évêque doit être vivre une vie de famille exemplaire. D'après 2 Timothée 3 verset 2 4 et 5. Et premier point nous voit le l'évêque doit être mari d'une seule femme d'après 2 Timothée 3 verset 2. Cette expression veut dire plusieurs choses. L'évêque ne peut pas avoir plusieurs femmes. Quelqu'un qui vit dans un contexte où la culture ou même la loi du pays admettre qu'un homme épouse plusieurs femmes. Doit savoir que la Bible est contre de telles pratiques. Les lois d'Haïti n'admettent non plus la polygamie. Et je dirais que même la culture haïtienne ne l'admet pas. L'évêque ne doit pas avoir de combine. Combine veut dire madame dehors. Certains hommes se marient à une seule femme, mais vivent avec plusieurs autres. Cette pratique est contrainte dans la culture haïtienne. C'est ça nous tapons là, nous voyons que yo les nous parler de un évêque là lui-même, li pa doué gen combine. Combine non, li vle di li pa gen droit gen plusieurs madame. Et gen en pile moun nou wè moun nan li gen madame ni pendant gen madame ni li toujours li marié c'est vrai parce que nous connaît pour nous servir bon Dieu nous doué pour nous marier mais gen moun nan li évêque malgré l'évêque on y a la li évêque li marié c'est vrai mais li toujours gen deux madame li toujours gen plusieurs madame ça veut dire
yo fè nou konnen ke lè nou lè moun nou di se evèk ou dwe gon vi ekzanplèr. Vi sa dwe yon vi ki a pa, ou pa ka fè nenpòt bagay, ou pa ka di evèk et puis kon y a la même pou ap marié pou marié a madame ou et puis kon y a la ou gen plusieurs lòt fi. C'est de ça ou t'a parlé là. L'évêque doit être fidèle à sa femme. Il doit pratiquer la fidélité conjugale. Il doit éviter l'adultère. Un évêque doit éviter gen plusieurs filles. Pas faire adultère sous madame. Pratiquer fidélité conjugale, la fidélité mariage là ou doit gagner. Parce que non ça ou pote à son nom précieux. Là on parle des anciens évêques, pasteurs, c'est même travail là n'a fait. Ça veut dire nous devons gagner une sainteté la caillou. Et on parle du l'évêque doit être une personne qui dirige bien sa propre maison. Et on fait nous connaître un monde qui évêque maison ni doit être dirigé bien. Il doit pour diriger maison bien, il pas doit faire n'importe bagaille. N'importe vire tourné à parler l'aide dans Kaila et li parler l'aide li vire tourné la gauche la droite la parler des propos dans Kaila. Yo dit un leader peut être évêque ou pasteur ou ancien ou de ça me parler nous même s'il n'est pas marié, mais s'il est marié il doit pouvoir faire fonctionner son foyer. Si ou pas marié, ok, mais si ou marié, ou doit faire foyer fonctionner normalement. Il doit avoir une femme qui remplit son rôle d'épouse et de mère. Ou doit tout gagner madame ça, li doit yon madame qui presque même j'avo, qui doit pour faire travail la même gens ensemble avec ou. Et yo parle encore pouvoir s'entendre avec sa femme pour élever les enfants. Ou doué ou même ak madame nous doué mettre tête nous ensemble pour nous élever ti moun yo. Nous pas doué ou pas doué vini nan kay la ou pa kè de ti moun yo. Madame nan si madame n'a fait ça li fèl, s'il pa fèl li pa fèl, ou même ou pa pran ou pa occupe de madame nan parce que ou pa pran rôle ou pa ou son évêque mais madame ou doué aider toi ti moun yo ou pa, non ça madame ou pote le tout parce que nous tous les deux nous devons partager youn l'autre et de là il doit répondre aux besoins de la famille, nourriture, vêtements, logement et autres. D'après oui vraiment c'est ça yo parler là, yon évêque ou doit prendre soin kayou. C'est pas vie retourner madame nan besoin manger, le besoin ça le besoin pas joindre ni nan kay la et puis ou même ou gen l'argent ou ap gaspiller dehors à l'autre monde. Ou doit prendre soin kayou, pas maltraiter des enfants en domesticité. Ti moun ki rete la kayou ou pas doit maltraiter ti moun ki rete la kayou. Tout bagay sa ou servante kap kava avon, ou doué prete yo bien. Gen moun ki l'évangile, yo di yo se pasteur, yo di yo se évêque, yo di yo se ancien. Y ap servi bon Dieu, yo di yo se mam de l'église. Men ti moun ki rete avec yo, tan yo maltraite ti moun sa. Moun kap travay, yo gade moun kap kava la tankou, se on bête, yo pa gade le tankou on humain. Tout bagay sa yo, nou wè Jean Bibla li rentre nan tout détail. Bibla parle tout détail. Bibla rentre nan tout détail zanmi mwen. C'est ça que fait yon moun k'ap servi bon Dieu ou pa ka fè n'importe bagay ou pa ka agi yon façon ki mal avec moun k'ap travay la kayou. Et ti moun ki rete avò gade le mal, c'est tout bagay sa yo fò konnen. Yon moun ki okipe on fonction évêque ou doué genyen yon vi exemplaire. Et troisièmement, yo parle de l'évêque droit maintenir ses enfants dans l'obéissance d'après Timothée, d'après 2 Timothée 3 verset 4 là. Quelqu'un qui a des enfants rebelles n'est pas qualifié pour être un évêque. Yon moun ki gen un ti moun ki toujours rebelle. Ti moun sa toujours a fè un seri de bagay, li dormi dehors, li pa bagay, konnen ou pa ka évêque.
parce que faut contrôler des petits moun ça parce que l'eau évêque là c'est tout caillou doit à contrôler ou doit contrôler tout caillou petit moun ça s'ils ont petit moun cap dormi dehors li ont petit moun enfant rebelle quand l'enfant refuse li pa vle discipline parent li pa un exemple pour l'autre petit moun. Un enfant peut abandonner la maison pour vivre dans le vagabondage. Un petit monde, li la caillou, li bral na, li la gete nan vagabondage ou même qui évêque là, ou même qui membre de l'église là tout. Faut parler, faut prendre soin petit monde ça, faut parler ensemble avec elle. Ou pas du bral jouer ensemble avec elle, mon faut parler pour expliquer petit moi mais comment bagaille yo ou pas qu'a fait tel bagay nous tous les chrétiens nous maman chrétien papa chrétien papa c'est évêque ou doué papa c'est pasteur ou doué gain contrôle yon série de bagay papa c'est Jack ou doué faire yon série de bagay qui vraiment exemplaire. Et quand l'enfant vit dans l'immoralité sexuelle sous le toit familial, exemple des jeunes filles qui ont la réputation de mener une vie immorale ou qui tombent enceintes avant le mariage, des jeunes hommes qui ont des enfants en dehors des liens du mariage et qui continuent à vivre sous le toit familial. Yon moun koun ya la ti moun sa li gen tan enceinte petit moun ou bien li gen tan enceinte pou lòt moun li rete et puis toujours la caillou li pa l'autre côté toujours la caillou ça ou c'est évêque ou pa ka accepter ça même s'il c'est petit ou doué gon contrôle si petit tete pa am lou pou mettre li vraiment gen droit prend petit ça ou faire mon caillou pour li pou rete l'autre côté s'il pa ta gen. Mais côté ou à vivre là, pas qu'à vivre ensemble avec ou parce que ou évêque, parce que ou membre de l'église ou à servir bon Dieu. Ça veut dire Jean de bagay sa yo li pas bon pour ou laisse à libre le fort kata. L'évêque doit mettre en application les paroles d'après Proverbe 22 verset 6. Quelle est la commandation contenue dans ce verset? Quelle est la promesse résumée? Retournez à 1 Timothée 3 verset 5. La question que Paul posait dans ce verset est très importante. Elle résumait tout ce qu'il vient de dire. La conclusion, qu'on doit tirer une personne qui ne peut pas diriger sa maison, ne peut pas non plus diriger l'église. Ça veut dire yon moun ki pa ka diriger la caillou ou pa ka diriger on l'église tout. Parce que l'église la caillou c'est premier parti dans l'église là soit diriger l'église comme on va le faire soit diriger la ou pas qu'à diriger la caillou comme on va le faire diriger l'église. C'est ça jodi a m'té poté pour nous amis myo. Moi connais m'pa ka faire trop long parce que men gen tan vidéo a gen tan presque nan 12 nan 13 minutes. Que bon Dieu béni nous, que bon Dieu entoure nous amis myo. Abonnez à channel là, abonnez, partagez, abonnez et like vidéo aux amis yo parce que m'pap décourager pas quitter me décourager dans travail là aidez-moi partagez à l'autre yo pour autant des paroles là pour yo connaître comment bon Dieu a grand li puissant li tout puissant amis yo. C'est servante nous Béatrice Prioli qui t'est monté sur channel là jodi a mardi a pour te faire étude là pour te faire ti parole ça ou ti parler ça ensemble avec nous. Bon Dieu béni nous, que bon Dieu entoure nous, que bon Dieu enveloppe nous en bas manteau de grâce. Bye bye.